nouveau jeu qui s'appelle World of Warship, qui est sorti en septembre 2015. Donc c'est le même principe que World of Warplane ou World of Tanks, avec du leveling et machin, on gagne des victoires. Puis là, ça a l'air d'être pas mal, et j'ai commencé un peu tout à l'heure pour me familiariser un peu avant de vous parler. Et là, franchement, je peux vous dire que j'aime bien. Bon, les délais d'attente entre chaque partie sont un peu longs, mais sinon, je trouve que c'est intéressant. Alors c'est un peu du Flag Conquest, un peu plus des zones où il faut rester pour pouvoir capturer les points, puisque contrairement à World of Warplay. Mais ça reste cool, moi j'aime bien. Et puis là, on est sur des petites canonnières de patrouille, donc c'est Affidaté, là, bon j'avance, c'est celui que j'ai choisi. Et c'est le même principe que... Action Station. C'est le même principe que... World of Warplay, en termes de combat. La gouverne et bouge les canons, ce qui est pas mal. On choisit canon 1, canon 2, on fait les repas moteurs avec R. Donc là je reste au canon, on trace. Là, je suis pas fou, le pilotage auto c'est pas mal. Donc on a un point, on se met sur la autopilot mode enabled. Pilot mode disabled. Thank you.
le Hermelin aussi, ses petites canonnières, je crois. Et voilà, donc normalement je peux tirer, je peux pas tirer de torpille pour l'instant, je crois. Donc c'est un petit problème, mais on va évoluer au fur et à mesure ensemble dans le jeu, et puis on verra bien. Mais moi je commence à apprécier un peu, bon, le système de vitesse est un peu moins, les rencontres sont un peu moins rapides que les rencontres qu'on a sur World of Warcraft. C'est un peu plus pour ça. Mais sinon, bon, c'est toujours de la capture de flag. Classique. J'ai pas encore très bien saisi l'histoire des canons arrière-avant, comment ils tirent. Faut que je regarde. Je vous en dirai plus peut-être en fin de semaine, tant que je me familiarise un peu avec le sujet. Hein? Donc là, on est sur le Hermelin. Battle starts. C'est un peu la bataille navale là. C'est parti. 14, 16. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien quand même. Si je veux récupérer, c'est pas mal, putain. C'est chouette. Et puis ça trace, hein, une petite patrouille, une petite canonnière. Ça déboîte, hein. Je sais pas si c'est des équations de survie. Allez, c'est parti. Chouette. J'ai mis les canons directs, c'est pas de bateau. Putain, ça tire déjà assez de distance. Moi, j'arrive pas à voir les mecs. Alors, contrairement à World of Warcraft, je vois qu'on n'a pas le nombre des joueurs avec le type de cuirassé. Il faut faire tab pour faire apparaître. Enemy force detected. Allez, on va essayer de se mettre là. On va tirer. Thank you.
Entry is in sight. Ici, comme dans World of Warplane, on peut modifier le type de munitions. Si on doit mettre des incendiaires, des explosifs, enfin au niveau des obus qu'on tire, et puis si on peut mettre par exemple de la gouvernail un peu mieux que ça, parce que je trouve que à droite à gauche ça a du mal un peu quand c'est un peu bateau quoi. Bon, c'est un bateau, hein, vous me direz, mais c'est quoi un peu bateau quoi. Voilà. Et puis donc là on repart. Je suis en place. Je mets les gens en foule pour démarrer. Moi je trouvais une bonne position là. Extérieur. J'ai une bonne vue d'ensemble à chaque fois. C'est pas mal. Je vais essayer de retourner sur B et voir s'il y a du monde dans le golf, là, le petit détroit là. Parti.